Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur les Sims 4 en compagnie des deux princesses et de la petite Nathalie qui doit faire ses devoirs, il me semble, effectivement, en train de partir faire ses devoirs. Allez, studio photo, avant qu'on s'en occupe, histoire de faire quelques petites photos par-ci par-là. Et la salle des dessins qui commence à prendre, ma foi, plutôt bien, j'aime beaucoup. Je suis un gros fan de tous ces petits dessins, et ma sac, c'est mimi tout plein. Bon, légèrement pixelisé quand on est trop près, mais c'est mimi, c'est l'important. Vous savez, avec des petits morceaux de pâte et tout, c'est bien stylé. Dans tous les cas, on va attendre, enfin, faire ses devoirs surtout, on attendra que Belle rentre du travail. Elle finit normalement à 3h du mat. Oh, ah oui, quand même, c'est un petit peu tard. Mais bon, on fera avec. Je pense qu'avec le temps, quand elle aura des meilleures promotions, elle travaillera la journée, du moins je l'espère. Ce sera quand même plutôt pratique. À part ça, Belle dort. Elle en est où? Niveau énergie, c'est bientôt bon. Qu'est-ce qu'elle pourra faire? S'occuper sûrement des plantes. Atteindre niveau 10 de la compétence jardinage. Ah, faire évoluer 10 plantes de qualité excellente, déjà 2 sur 10. Ouh, ça c'est cool. Par contre, sachant qu'on a combien de plantes? Donc on a 8 x 4, 32. Ah non, ça va, on a quand même 32 plus 2, 34 plantes. Ah, dans l'absolu, on pourrait réussir à avoir que les deux princesses aient chacune 10 plantes de qualité excellente. J'avais peur que non, mais en fait, si, c'est largement faisable. C'est juste que ça prend un temps de fou furieux, mais c'est faisable. Du coup, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, bah forcément, c'est déjà manger. Ça a quand même un petit détail plutôt intéressant. Ah zut, la bouffe est périmée. Enlever la nourriture gâtée, est-ce que t'as un truc qui est encore bon ou pas? Montre-nous ça. Poulet rôti, il en reste 6. Ok, c'est juste ça qui est périmé, donc c'est pas trop grave. Prends un peu de brouillade, ça fera le plus grand bien. Et ensuite, tu enchaîneras avec le jardin, en essayant de faire évoluer toutes les plantes qui peuvent. Parce qu'il y a pas mal de petits brillants par ici, j'aime bien ça. Et la petite Nathalie a terminé ses devoirs, c'est très bien. Du coup, comment est-ce qu'elle se sent? Elle est fatiguée et tout, laisse tomber. On va la laisser tranquille, va vite aux toilettes, et puis après tu feras dodo. Alors c'est bon, elle est réveillée, du coup elle est inspirée. Comment ça se fait qu'elle soit inspirée dans la salle? Ici, pourtant, on n'a rien de particulier, il me semble. Bon, pas trop chercher la logique. Apparemment, il y a des tableaux décoré avec goût. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Bon, on va pas grand chose. Est-ce que ce serait un de ces tableaux qui te ferait ça? Non, mais il y a strictement rien quoi. La pièce est totalement vide du reste. Bon, il y a des jolis tableaux, mais en dehors de ça, rien de plus. Alors, c'est fini, parfait. À la place de la vaisselle, tu pourrais quand même t'occuper, enfin faire ça au lave-vaisselle, c'est quand même bien plus pratique. Donc, fais voler tout ça. Est-ce qu'on réussit à avoir des plantes excellentes? On va voir ça. Pas pour le moment. Elles sont niveau combien? Vraiment très bonnes. Très bonnes. Effectivement, elles sont pas encore assez élevées. Petit à petit, ça va changer. On va essayer de tout faire évoluer, avec un peu de chance il y en aura d'autres. Non, malheureusement on reste bloqué à 2 sur 10, bon tant pis, petit à petit on aura peut-être d'autres choses de meilleure qualité. Ah, fantastique. Je pense qu'après fantastique ça va être certainement excellente. Ah là on a excellente. Attends, mais logiquement fantastique c'est mieux qu'excellente. Peut-être c'est pour ça qu'on n'arrive pas, parce que peut-être qu'elles doivent être pas autant évoluées que ça. Non, malheureusement elle fait évoluer plein de plantes, mais vraiment pas mal, je pense une bonne douzaine de plantes en tout. Et on n'a pas monté toujours 2 sur 10. Bon, au moins son niveau de jardinage a pas mal monté. On atteint bientôt le niveau 8, ça avance les amis. Ah, par ça j'ai même pas fait gaffe, mais effectivement Jasmine est rentrée. Jasmine, tout à fait, à chaque fois je les confonds, c'est terrible. Belle, j'ai bien entendu dire. Alors on en est où avec elle? Comment ça se passe niveau boulot? Est-ce qu'elle travaille bien? Pas tip top on va dire. Comment est-ce qu'elle se sent? Très très mal, elle est super fatiguée. Bon bah écoute, c'est de vite manger un truc et au dodo. Et puis une fois qu'elle sera reposée, elle essaiera de faire ce qu'il faut, notamment au niveau du troll, histoire qu'elle aille troller un peu tout le monde. Ça pourrait être sympathique. Alors, est-ce que tu t'en sors? Ça va aller plutôt bien en sifflotant tout ça, mais à ma foi, c'est parfait, les amis. Un bon petit jardin, bien comme on aime. Parce qu'en c'est tout vert, tout beau, c'est ce que j'aime voir. Est-ce qu'il y a des trucs encore à faire évoluer? Il me semble que j'ai vu des trucs briller par-ci, par-là. Ça serait plutôt bien. Attends, là, il y a des trucs. Ah oui, parfait, le palmier, il est prêt. Donc, faire évoluer. Il n'y a pas autre chose, il me semble que je vois des trucs briller. Non, ça a l'air tout bon, écoutez, on va essayer de terminer ça, en plus ça a monté en niveau, il lui manque plus grand chose. Par contre, c'est 5h30, elle travaille tout bientôt. Niveau faire des recherches sur les actions, on ne l'a pas fait, bon, on s'en fout un petit peu. Au pire, tu peux vite essayer de le faire un peu. Qui sait, ça pourrait passer. Faire des recherches, c'est parfait. Alors, Belle, comment t'es? Toujours pas être couché, faudrait quand même te dépêcher. Parce que t'es un petit peu beaucoup fatigué, à vrai dire. Allez vite au dodo. À de manger, c'est tout bon. Je mettrai à la poubelle ce qui reste. Je te félicite pour ton travail. Allez Jasmine, tu y es presque, il manque vraiment plus rien. Allez-moi ça, la barre de progression elle est pratiquement pleine. Tu peux le faire, un dernier petit effort et on sera bon. Par contre pour faire des recherches sur les actions tu oublies, c'est un peu 6h30 du mat, tu commences à travailler tout bientôt. Est-ce que tu comptes te dépêcher? On accélère un petit peu, voir si ça passe. On veut le niveau supplémentaire, on veut le niveau 8 en jardinage. Yes, Jasmine atteint le niveau 8 de la compétence jardinage. Elle peut désormais faire repousser les feuilles de bonsaï pour les remodeler. Bah, c'est très bien ça. C'est parfait les amis. C'est vrai qu'il y a les bonsaïs qu'on a, hein.
n'y a pas une bonsaï par ici, ni à l'étage et tout. Non, il n'y a pas de bonsaï, effectivement. Ça aurait pu être sympa d'en avoir un par ici. On verra bien ce qu'on fait petit à petit. Ce que j'aimerais bien faire surtout, c'est un peu de yoga, histoire de se détendre et puis enfin atteindre le fameux niveau 7 pour se téléporter, ça pourrait être plutôt cool. Mais bon, à part ça, c'est quelle heure? Elle commence à travailler à 8h, donc tout bientôt. Ouais, dépêche-toi de terminer le jardin, comme ça tu pourras partir au travail. Alors c'est pas si 8h, faut vraiment qu'elle termine, est-ce qu'elle y arrive? Il y a encore besoin de mes insecticides. Ah, allez, dépêche-toi. Ah, est-ce que c'est bon? C'est quoi, 8h16, j'ai encore un quart d'heure. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Pourtant, y a rien là. Y a pas de mauvaises herbes. Arrête de perdre ton temps, dépêche-toi. Ouais, stop, je dis d'arrêter. Est-ce qu'elle a le temps de faire évoluer vite la plante? Le bananier, ça aurait pu être cool. Elle a un bon gros bananier, niveau combien? Tiens, on voit les petites bananes qui apparaissent une après l'autre, c'est plutôt cool. Yes! Du coup, maintenant, c'est niveau combien? Alors, très bonne. Bon, bah, c'est pas mal comme qualité. Très bonne, on s'en contentera. Elle part au boulot. Allez, go! Allez, c'est bon, elle a enfin fini de dormir. Normalement, ça va être pratiquement bon. Enfin, on annule. Comme ça, on est bon. Alors, hygiène, elle a faim, elle a besoin de divertissement. Elle est pas en bon état, la pauvre. On va essayer de lui faire tout ça. Par contre, je comprends pas parce que le frigo, il y a du verre qui s'échappe. Donc, comme s'il y a des choses qui étaient périmées. Et pourtant, il y a rien de périmé. Non, j'ai une assiette de brouillade qui est encore 2 jours bonne. Et puis autrement, il y a un poulet rôti qui est également bon, donc c'est un peu étrange. D'où vient cette fumée verte? Allez donc savoir. Nathalie est revenue de l'école, les vendredis soirs sont parfaits pour transformer des B en A. Elle devrait peut-être se concentrer sur cet objectif. Pas vraiment, pour le moment, j'ai pas... Bon, on essaie, on va essayer de travailler bien, petit à petit on verra si on peut monter. Dans tous les cas, est-ce qu'elle est prête? Elle a fait tout ce qu'il fallait, attends. Ah oui, tout est monté et tout, divertissement, c'est pas mal. Bah du coup, profites-en, on fait un peu de yoga. Alors, faire des postures ou s'entraîner au yoga, tout simplement. Ça peut le faire être zen, ça va nous faire du bien. Et quant à la petite, ce qu'on va lui demander de faire, c'est continuer les dessins. Parce qu'au niveau des objectifs d'artiste, il faut faire à jouer à 5 instruments. Oh bah écoute, s'asseoir, s'entraîner. On va essayer de faire ça, Jasmine est entrée du travail. Jouer dans les instruments pendant 5 heures au total, faire 5 types de dessins et atteindre le niveau 10 de la compétence créativité. Bon bah petit à petit on va y arriver. Jouer pendant 5 heures, bah, ça va être faisable maintenant. Jouer comme ça, jouer jusqu'à 21h à peu près. Il n'y aura pas trop de soucis pour ça. Et par rapport au yoga, comment ça se passe? Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Parce qu'on est quand même vendredi. Voyons ça. Effectivement, elle travaille à 20h dans 4h. Il faut qu'elle commence à faire ses interactions malicieuses, histoire de ne pas se faire avoir. On peut éventuellement parler directement avec elle, histoire de la troller un petit peu. Ah, devenir complice. Vous étiez nombreux à me le demander ça. Effectivement, pour qu'elle prévoie des plans ensemble, ça pourrait être plutôt cool. Allez, la petite poignée de main. J'adore, à chaque fois ce truc, c'est absolument terrible. C'est tellement débile et ça fait tellement marrer pourtant, enfin. Alors, elle atteint un niveau 6 de la compétence malice. Belle peut désormais utiliser le téléphone pour sécher les cours ou le travail. Oh, excellent ça! Bon, en l'occurrence, ça nous intéresse pas parce qu'on va vraiment réussir à progresser le plus vite possible, donc on va essayer d'éviter de gâter l'école. Enfin, l'école, pas du tout gâter le travail, si j'ose dire. Ça serait pas l'idéal. Ah, on appelle Nathalie, c'est Avery Sartre. T'es gentil, mais pourquoi t'appelles ma gamine? Bon, bah écoute, appelle, on va répondre. C'est un petit peu bizarre, mais on va répondre quand même. Arrête le piano, on va voir ce qu'elle nous dit, c'est un peu... Pourquoi tu nous appelles? À vous, qu'est-ce qui se passe? Elle est concentrée. Elle a une voix super grave, cette gamine. Bon, bah du coup, à part ça, arrête de lui parler, continue le piano. On est là pour ça. Elle en est ouf, voyons voir ça tout de suite. Joue aux instruments pendant au moins 5 heures, on est déjà 1 sur 5, petit à petit ça avance. Bon, il raccroche, on s'en fout. Bon, les filles, comment ça se passe? Est-ce qu'au niveau, on est toujours à 50% effectué? Donc on accélère un petit peu. Elle veut pas devenir complice, j'y crois pas, elle lui refuse. Elle refuse d'être complice. Ah zut! Bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Elle est pas assez troll pour ça. Allez, vite, faire crac-crac, on est des fous. Avant de partir au travail, comme ça elles seront de bonne humeur. Ça me paraît un peu juste. Ah non, elle a refusé, mais t'es pas sérieux! Tu dis non à tout aujourd'hui. N'importe quoi. Bon bah tant pis, il nous reste combien de temps? 10 minutes. Il faut que tu sois d'humeur joueuse. D'humeur joueuse, la télévision, est-ce qu'on aura le temps? Regardez la chaîne, dans la chaîne comédie humour, voilà, parfait. Est-ce que ça va te rendre joueuse? Pas sûr, ce que t'es inspiré, concentré. Il y a vraiment un truc qui rend concentré dans cette maison, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Parce que pourtant, j'ai vraiment contrôlé plusieurs fois, il y a rien. Ah yes, joueuse, parfait. Là, t'es bien parti pour le boulot, pour une bonne nuit de travail. Présenter avec tes collègues? Non, travailler dur, écoute, c'est le mieux à faire. Pendant ce temps, la Jasmine dort, tu passes ton temps à dormir. En même temps, je la comprends, la pauvre. Zut la petite, on l'a un peu oublié. Elle atteint le niveau 6 de la compétence créativité. Nathalie peut dessiner une nouvelle image sur la table d'activité et obtient des états d'esprit plus puissants en jouant avec des jouets. D'accord. Et du coup t'en es ouf? T'en es. Bah c'est bon, 5 heures au total, c'est fait.
Donc arrête de jouer, je te remercie, il va falloir faire des dessins. Il faut donc 5 types de dessins différents. On en a 4 pour le moment, on va les faire dans l'ordre, commençant par forme. Sac en papier, tout le monde essaie de conclure des affaires dans ce parc. Ce sac en papier derrière la poubelle n'est donc probablement pas rempli d'un sandwich. C'est peut-être un piège. Cela dit, Belle peut voler le sac ou le laisser là. Oh, bah moi je dis voler le sac, attends, on est une méchante. Alors, on dirait que Belle a fait le bon choix. Elle récupère un beau paquet de simflouz sonnant et trébuchant. 50 simflouz qui rentrent. Bon, c'est pas grand-chose, mais au moins, on a piqué quelque chose, ça c'est plutôt cool. Alors c'est bon, elle a terminé son dessin, on va le poser par ici. Je dis de jouer au piano parce que c'est une de ses aspirations, enfin de ses souhaits, jouer d'un instrument, donc vas-y, ça fera quelques petits points. Donc, comment on place tout ça, on les met en mode à l'arrache? Bon, on les pose comme ça, on verra bien comment on les affiche. Quoique peut-être comme ça, c'est plus logique. C'est bon, au niveau du piano, c'est une catastrophe, il y a du boulot. Tu as tout préparé parce que c'est tard, elle était bien fatiguée ma pauvre. Alors Jasmine est également réveillée, effectivement la pauvre elle pue très très fort. Niveau hygiène c'est juste catastrophique, dépêche-toi de prendre une petite douche. La douche super discrète, tout en verre en plus, bien que tout le monde nous veille. Et dès qu'elle aura fini sa douche, idéalement il faut nous faire un petit truc à manger, ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné. Installer la fonction exhausteur de goût, j'ai l'impression que je passe mon temps à installer ça à chaque fois, ça disparaît. C'est un petit peu bizarre, vas-y remets l'œuf et après tu me feras un bon petit plat. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un truc un peu sympa pour le week-end? Du pain perdu, j'adore ça. Fish and chips, ouh, c'est bon ça également. Mais un plat un peu plus raffiné, peut-être du thon cuit à la cocotte. Bon, bah c'est parfait ça. En version familiale, s'il te plaît, je te remercie. Après, il faudra continuer à entretenir le jardin parce que ça n'arrête pas. Le pauvre est de nouveau plein de mauvaises herbes. Il faut, ma foi, s'en occuper. Elle a légèrement foiré son plat. J'adore à chaque fois quand ça part en cacahuète comme ça. Ouh, intérêt à porter. Cette semaine, Nifex a gagné 28 000 simflouz. C'est pas mal, ma foi. C'est plus que tout ce qu'on a chez les princesses. Ça fait quand même pas mal de simflouz, tout ça. Alors, Belle rentre du travail. 91 simflouz de gagné. Ah, la carrière qui rapporte que dalle pour le moment. C'est absolument terrible. Donc, au moins, elle est rentrée. De plus, elle a réalisé une fantastique performance au travail. Ça, à fond, ça me plaît. J'aime bien. Elle est tendue, toujours d'humeur joueuse. Ah non, pas du tout, j'ai n'importe quoi. C'est l'humeur idéale. Voyons voir ce qu'elle a fait. Elle est verte, pas trop mal. Écoutez, elle est bien, c'est plutôt cool. Hein. J'ai trouvé ce qui met d'humeur concentrée, c'est le bureau. Parce qu'effectivement, l'oreille est activée. Et si on va voir ça tout de suite, voyons voir ça, le fameux bureau. Décoration qui donne confiance, niveau 8, voilà pourquoi. Puis effectivement, c'est niveau 8, donc c'est très très élevé. C'est tout bêtement pour ça, on a trouvé les amis. Bon bah cool, une bonne chose de faite, on saura pourquoi. Donc désactiver l'aura, yes, yeah, ça c'est cool. Là, effectivement, on a l'aura pour être joueuse, on va la laisser. Quitte à faire, ça ne dérange pas trop. Heureusement que je vois ça, effectivement, les pattes sont restées là. On va les mettre au frigo, c'est quand même préférable. Elle est tendue, elle a faim. Bah écoute, mange vite un truc. Et ce que tu feras, c'est que tu iras prendre une portion et tu iras faire du yoga. Si tu continues à monter tout ça, s'entraîner au yoga. Allez, go! On est samedi, ce qu'on travaille. Je crois que ce soir, on travaille, effectivement. Voyons voir ça tout de suite. Oui, ce soir, on travaille à 8h de nouveau. Donc c'est bon à savoir. Il y a Jasmine qui veut que j'achète un instrument, donc ça y'a pas de souci, c'est vite fait, ça apporte toujours 50 points bonus. On va pas lui dire non. Alors c'est dans compétences. Qu'est-ce qu'on a comme instrument? Un truc pas cher si possible. Tiens, un petit violon, tac. Est-ce que c'est validé? Yes, 50 points, parfait. C'est des petits trucs vraiment tout bêtes et qui rapportent tellement de points. Oula, la salle de bain a besoin d'un petit nettoyage à mon avis. C'est pas que c'est sale, mais c'est un peu tout comme, pour pas dire absolument dégueulasse même. Tu vas nettoyer tout ça. Ah, amélioration, ça pourrait être cool. Nettoyage automatique. Bon bah écoute, fais péter le nettoyage automatique. Dès que tu auras fait un peu de yoga, et t'es bientôt niveau 7. Avec un peu de chance, ce week-end, on peut réussir à le terminer. En fait, non, laisse tomber. La salle de bain, on n'aura pas le temps de le faire. T'es beaucoup trop fatigué. Je laisse quand même encore un peu s'entraîner. Après, elle ira faire dodo. Et je pense qu'après, on terminera directement dans le jardin zen pour réussir à atteindre le niveau 7. Mais tu finis jamais le jardin, c'est un truc de fou, quoi. Ça prend tellement de temps. Bon, ça, la petite est là. Stop, stop, stop. On arrête les bêtises. Est-ce que tu te sens bien? Écoute, t'es plutôt bien. Alors, ce qu'on va faire direct, c'est qu'on va aller peindre les différentes formes qui manquaient, à savoir, on dessinait une forme, maintenant des gens. Ah, le courrier du jour était distribué. Les factures de 5700 simflouz sont disponibles. On a reçu les droits d'auteur, bon bah ça va. C'est pas trop trop grave cette fois, on a connu pire. La pauvre Jasmine, elle commence à être vraiment très mal là. Faut vraiment qu'elle termine tout ça. On a bientôt fini, faut qu'elle récolte 2-3 petits trucs par-ci par-là. Et on sera blond, enfin. Planter quelque chose, non, ça ne m'intéresse pas, enfin. Et autrement, tu veux faire quoi? Faire une farce à Nathalie. Ça pourrait être drôle, mais on a d'autres choses à faire. La forme que tu dormes,
Tu commences à être un petit peu trop fatigué, on va dire. Belle, fais une sieste. Et dès qu'on a fini, on ira directement faire notre zénitude, si j'ose dire, histoire de monter niveau 7. Alors, c'est bon, encore un tableau de fait. Je te remercie. Alors, dessine du coup un véhicule. Et petit à petit, on va y arriver. Il manque pas grand-chose. Il en faut 5, en l'occurrence, faut qu'elle monte encore en niveau. De toute façon, faut atteindre le niveau 10 en créativité. Faudra de toute façon attendre un petit peu. Et tiens, au passage, au niveau des âges, on en est ouf. Faut quand même faire gaffe à ça. C'est pas un détail, non, c'est bon, on a le temps de voir venir. On est plutôt bien. Fin. Ah, c'est bon, elle a enfin fini de s'occuper du jardin. La pauvre, le temps que ça lui a pris. Bon, il y a encore plein de trucs à récolter, tout ça, mais au moins c'est bien. J'allais dire dépoussiéré. Pas tout à fait. Il y a toutes les mauvaises herbes qui sont parties, c'est arrosé, c'est le plus important. Et après, on ira récolter tout ça, une chose après l'autre. Alors bientôt un niveau de plus, ça c'est cool, voyons voir ça. Du coup, elle atteint le niveau 7 de la compétence créativité. Si Nathalie possède une maison de poupées, elle peut écrire une histoire de maison de poupées sur un ordinateur. Elle peut également obtenir plus de satisfaction en jouant dans la cage à poules bateau de pirate. Oh, c'est cool ça, excellent. Alors, terminer son véhicule, je veux dire. Tac, pose-le là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Dessiner, je crois, un animal. Sauf erreur. On est niveau 7, il faudra encore faire des trucs. Est-ce qu'il faudra un dessin de plus? Niveau social, c'est descendu super bas, la pauvre. Elle se sent pas très bien. Tout le monde dort pour le moment, il n'y a rien à faire. Ah, par contre, ce qu'on aurait pu faire, c'est que Belle lui apprenne à jouer du piano. C'est effectivement, elle maîtrise parfaitement tout ça, donc elle peut enseigner. Ce serait une bonne chose. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent pas si mal que ça. Écoute, on va essayer de vite s'occuper des soins, enfin des soins tout à fait, des besoins, je veux dire, de Nathalie. Et comme ça, on essaiera d'essayer de tester ça. Et du reste, on va lui poser son petit dessin juste là, je te remercie. Il n'en manque plus qu'un, mais il n'est pas encore débloqué, donc il faudra le faire plus tard. C'est moi, il y a un truc cassé par ici, je t'en ai du bruit. Effectivement. Ah, c'est pas malin ça. Remplacer sans snufflouse, allez, vas-y, remplace là, ça, c'est fait. Tu peux nettoyer? Oui, effectivement, essuyer. Ah, il y a des gamins dans le parc, parfait. Tu peux aller jouer avec eux. Comme ça, tu seras content, parce que là, t'es un petit peu triste, parce que t'as pas assez de niveau social. Ah, c'est bon, parfait, elle part au parc. Elle a l'air fatiguée, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous tout. Comment tu te sens? Ah non, c'est le niveau social qui est trop bas, du coup, t'es vraiment triste. Mais c'est pas grave, parce que tu vas jouer au parc. Ah merde, ils sont partis! Zut, zut, zut! Ils sont tous partis. Bon, du coup, au moins récupère ça. Ça sera toujours ça te fait. Et puis, monsieur, venez par là. Vous avez fait des super hot dogs, je vous remercie. Par contre, est-ce qu'on peut parler un petit peu ensemble? Parce que je suis une fille très très triste. Au moins, ça lui est passé, c'est moi, elle est heureuse. Par contre, avec sa petite moustache, il a l'air un peu bizarre. Ça fait un peu étrange, on va dire. Elle récupère les trésors et de l'inf. Allez, vite, vite, vite. Zut, il est parti, monsieur. Non, il est encore là. On peut encore l'attraper. Ne bouge pas, surtout. Veuillez venir par là, présentation amicale. Enfin, amusante, plutôt, je veux dire. Est-ce que ça marche? Yes, c'est bon. On va pouvoir parler comme ça. Parce qu'elle est dans un niveau de dépression assez terrible. Se plaindre de problèmes, demander conseil à un inconnu dans la rue, mauvaise idée à mon avis. À part ça, Belle s'est levée, parfait, ce qu'il faut qu'elle fasse ses interactions malicieuses. On va aller troller un peu les forums, ça reste quand même la base. À payer les factures, vas-y. 5000 simflouz, c'est pas grave. Et autrement, au niveau du web, non. Discuter, voilà. On va aller des chaînes de lettres, à chaque fois je me marre quand je vois ça. Troller les forums, c'est bon. Bon, tout ça a l'air plutôt bien se passer entre les deux. Est-ce que son niveau de social est bien remonté? Ah, c'est pas encore ça. On va la laisser parler un moment. Fin. Par contre, Belle commence le travail dans une heure. Où est-ce qu'elle en est? Au niveau du troll, tout juste commencé. On n'a pas le temps de terminer. Fin. On attend tranquillement qu'elle fasse ça. Après, on lui fera un peu d'humour. Ah, nouveau une copine qui appelle. Qui est-ce? Léonore Casanova. Bon, bah écoute, réponds-lui. Ça lui fera plaisir. On n'aura pas le temps de faire les interactions malicieuses, déjà 25%, alors, enfin on est que à 25% alors que à 50, c'est 8h, non elle part au travail, tant pis. Au moins elle est d'humeur joueuse, c'est déjà ça. Et on va lui dire de travailler dur. Faire de la lèche au patron ou travailler dur? Allez, travailler dur. Parce qu'on est des fous. À part ça, la petite, c'est un peu la nuit, elle fait quoi? Rester dans le parc tout seul à 10h le soir, c'est pas forcément conseillé, on va dire. Et ouais, elle est totalement seule, la pauvre. Allez, je pense que t'as assez parlé, viens donc ici. Hygiène, c'est pas trop ça. Forcément, à trouver dans la bouche, ça ne pardonne pas. Ce que tu vas faire, c'est une bonne petite douche. Dans la douche, totalement. Non, on va passer en bas, parce qu'elle est vraiment trop crade cette douche. Tu feras ça ici, prendre une douche. Quand tu te sens, le reste est relativement bien. Tu peux essayer de pendre ou faire un peu de. Allez, fais un peu de piano. Fin. Au niveau des plantes, il y a encore quelques plantes à faire évoluer, autant en profiter. Et qu'un peu de chance sera enfin les bonnes. Alors, toujours 2 sur 10. Ah, pas mal d'avoir des plantes excellentes. Ah, zut! C'est vraiment pas facile de trouver les bonnes plantes. Parce que forcément, il faut que ça avance. Mais j'ai peur que ça ait trop évolué en fait. Que je sois bien au-dessus. Ouais, fantastique, fantastique.
Vraiment très bonne, j'ai peur d'être au-dessus d'excellente. Ah zut, la peau, j'avais complètement oublié, elle est depuis tout à l'heure en train de jouer au piano. Je pense que tu peux aller te coucher. Tu vas être un petit peu fatigué, il va y avoir ça à la fin. Alors Nathalie, effectivement, elle est juste crevée. Tu l'as bien mérité, ou dodo. Ah yes, excellent. On a enfin passé à 3 sur 10. Bon, c'est toujours peu, mais au moins ça avance, c'est le point positif. Est-ce qu'il y a encore des plantes à faire évoluer? Faire évoluer. Et je crois que ça sera tout pour ce soir. Bon, ça en fait qu'un, mais c'est quand même déjà ça, on va pas s'en plaindre. C'est déjà plutôt positif. Du coup, c'est qu'elle est un peu 2h du mat. Elle est pas fatiguée, par contre, elle a un petit peu faim. Bah écoute, profites-en un petit peu pour manger un bon petit bout de poulet, je veux dire. Il y a rien de tel pour la santé. Tac, prends une portion. Et après, tu pourrais faire un petit peu... aller observer les étoiles, ça pourrait être sympa. Regardez les étoiles. Alors, Belle a obtenu un jour de congé et elle a ramené 91 Simflouz à la maison. De plus, elle a réalisé une excellente performance au travail. Bon, bah, c'est plutôt bien. Par contre, tu pues un petit peu beaucoup. Il faudra penser à aller doucher, effectivement. C'est pas trop ça. Du coup, les amis, on va se laisser là. Pensez, c'est un petit pouce bleu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!